Voilà le comportement de certains conducteurs de poids lourds sur la nationale numéro 1. C'est-à-dire quand ils sont sur la route, les cyclistes, les motocyclistes et les autres conducteurs de poids léger n'ont plus le droit de rouler. Il y en a qui suivent tranquillement le cycliste ou le motocycliste. Il attend à 30 mètres, à 10 mètres, il klaxonne et la personne est paniquée, va et tombe dans le caniveau, se blesse. C'est bien. Hein? Vous allez les voir en pleine ville, en pleine allure, en pleine ville, tenter d'être dépassement, pas possible, sachant que nos routes ne sont pas larges. C'est quoi ces comportements? Hein? Je vais vous dire, à l'entrée de chaque ville ou d'une agglomération, vous allez voir à votre droite, il y a un panneau sur lequel on a inscrit 50 et puis on a encerclé. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une ville ou d'une agglomération, vous ne pouvez pas rouler au-delà des 50 km/h. Que vous soyez un automobiliste, un cycliste ou un motocycliste, vous n'avez pas le droit de rouler au-delà des 50 km/h. Que ce soit à l'entrée de Dapon, de Mango, de Saint-Cancé, de Tanguaré ou de Nakiès, vous allez voir ce genre de panneaux. Ne faites pas ça. Hein? Et puis, hein, lorsque vous conduisez et vous remarquez que vous êtes fatigué, garez et reposez-vous. Le fait de prendre des stupéfiants, des produits, ne peut pas chasser la fatigue. Lorsque vous conduisez et vous remarquez que vous avez sommeil, garez et reposez-vous, même si c'est pour 30 minutes. C'est la seule solution. Le sommeil n'a pas de solution. Ça n'a pas de produit. Reposez-vous, un point, un trait. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi on nécessitera de déplorer l'absence de feu tricolore à Dapon. Il y a beaucoup de dégâts. Les titamanes là, ça veut dire quoi? Vous avez aussi des enfants, vous avez aussi des parents. Vous blessez, vous tuez les gens sur la route. C'est bien. Arrêtez ça. C'est pas bien. Ça veut dire quoi? Et bon entendeur, salut. Alex Boukal, le fils de Savane.